C'est l'un de vos principaux moyens de paiement pendant l'été. 10 millions d'entre vous bénéficient de chaque vacances et c'est devenu le nouveau butin des malfaiteurs qui proposent des faux d'excellente qualité sur les réseaux sociaux. Le préjudice s'élève parfois à plusieurs millions d'euros. Enquête signée Antoine Bourdarias, Bertrand Lachat et Caroline Blancard. Chaque année, vous êtes des millions à les utiliser. Pour payer une location de vacances, s'offrir un dîner au restaurant ou simplement pour faire vos courses. Du coup, vous pouvez m'en donner trois et on va faire le complément. Les chèques vacances et chèques cadeaux sont très appréciés des consommateurs. Mais depuis quelques années, ils intéressent aussi les réseaux criminels qui revendent de faux chèques d'excellente qualité. Le carré est de 750 euros, je l'ai fait à 250, je crois. Un trafic en pleine expansion. On a là plusieurs centaines de milliers d'euros en faux titres. Surveillés de très près par la police. Ousmane dirige ce supermarché dans le Jura. Bonjour Adeline. Depuis quelques jours, il demande à ses caissiers d'ouvrir l'œil. Est-ce que vous avez des chèques ou des tickets resto aujourd'hui? Soyez bien vigilants. Il vient d'être victime d'une arnaque au faux chèque cadeau. C'est la police qui l'a prévenu il y a 2 semaines. Une cliente régulière du magasin a été interpellée en possession de faux qu'elle a notamment utilisé ici pour acheter 870 euros de marchandises. Donc les voici. Personne n'avait remarqué la supercherie, ni à la caisse, ni à la comptabilité. En regardant, on a identifié 29 chèques de 30 euros tout de même. C'est exactement le bon papier, les bons logos. Sur ce type de paiement-là, on n'a jamais eu ça. C'est une première. C'est une première. Ousmane n'est pas le seul commerçant du Jura à avoir été floué. Depuis un an, de faux titres circulent un peu partout dans la région. Au commissariat de Dole, le major Ursé enquête sur cette nouvelle escroquerie. Il a déjà reçu une dizaine de plaintes. Premier dossier élucidé, c'est un couple qui a émis ses chèques dans un supermarché local. On a cette personne-là qui a remis 1100 euros dans un supermarché pour l'achat de consoles de jeux. Et puis le dernier en exemple, c'est une plainte prise hier pour une personne qui a émis un seul chèque de 30 euros dans un supermarché. Selon lui, parmi ces escrocs, deux profils. Ceux qui achètent des produits high-tech pour les revendre et ceux qui utilisent ces faux pour faire leurs courses alimentaires. Tous se sont procurés des contrefaçons de très bonne qualité. Le code barre ici, le QR code, hein, la valeur fiduciaire, les numéros qui sont répétés ici en bas, par exemple. L'encre orange derrière est impossible à faire pour le commun des mortels, pour vous et moi. Donc c'est forcément la criminalité organisée qui est derrière tout ça. Des criminels qui revendent ces contrefaçons directement sur les réseaux sociaux. Tickets restaurants, chèques vacances, chèques cadeaux sont vendus ici en général le tiers de leur valeur, avec même des promotions. Plus le client achète, plus le prix du carnet baisse. Pour en savoir plus, nous avons contacté un de ces revendeurs. Ouais, c'est bien, quoi. Selon lui, il n'y a aucun risque à utiliser les faux chèques qu'il veut nous revendre. Je te garantis 100%, c'est un truc valide, c'est un truc parfait, mec. Là, je prends une petite commande et puis tu vois le truc, si ça marche, c'est tranquille, frérot, tu viens prendre une grosse commande après. Preuve que ce nouveau trafic prend de l'ampleur, cette saisie record en octobre dernier. 6 millions d'euros de préjudice et un réseau démantelé par l'Office central pour la répression du faux-monnayage. Ces enquêteurs nous ont ouvert leurs portes pour nous montrer ces cartons sous-scellés à l'intérieur des milliers de faux chèques saisis il y a quelques semaines. On a là plusieurs centaines de milliers d'euros en faux titres. Ils font appel à des techniques de reproduction professionnelle, hein, c'est-à-dire des imprimeries professionnelles, la plupart du temps situées à l'étranger et notamment en Chine. Utiliser ces tickets frauduleux est passible de 5 ans de prison et 345 000 euros d'amende.